Our American way of life. Isn't it grand? Peace, freedom, and bacon and eggs. Seems perfect. But what if it's not? Friends, your future may not be as secure as you think. Where will you be when the atomic bombs fall? You can secure your family's future by reserving a spot in a state-of-the-art underground vault from Vault-Tec. That's right, Bob. Act now, and your family can wait out the horrors of nuclear devastation. And Doris, the vault will have all the amenities of your modern-day home, and it's attractive. And Sally, in the vault, you might meet that special someone, just as you would on the surface. And in a few short years, you and your fellow vault dwellers will repopulate our great country. And Billy, you'll have lots of swell kids to play with. Reserve your family spot in a state-of-the-art underground vault today. Sign up now and prepare for the future. Salut les survivants, c'est Candy Gould, nouvelle vidéo sur l'histoire de Fallout avec un sujet pour le moins connu et forgeant l'univers de Fallout tel que nous le connaissons, une question assez classique mais qui revient constamment chez les néophytes et que vous m'avez posé en grande quantité aussi sur les réseaux sociaux, pourquoi Vault-Tec menait des expériences dans ses abris? La réponse est simple et complexe à la fois. En période d'avant-guerre, Vault-Tec lance son projet Safe House, c'est-à-dire la construction d'un réseau massif d'abris aux quatre coins des États-Unis, dans le but simple de préserver l'humanité d'une potentielle catastrophe atomique, ou du moins en apparence. Tout était millimétré pour faire croire à un simple réseau de bunkers anti-atomiques, dans un climat de guerre avec la Chine et donc d'un potentiel bombardement nucléaire. Mais en réalité, le projet Safe House cachait un autre programme secret, celui-là. Sur les 122 abris construits, seulement 17 étaient conçus pour fonctionner correctement en tant qu'abri de contrôle. Les 105 autres ont été le théâtre de scénarios les plus farfelus et sournois les uns que les autres, avec des finalités allant de miraculeuses à extrêmement macabres. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique s'est servi de ce programme de préservation et de construction de ce réseau d'abris pour en récolter les fruits d'expériences sociétales sans discernement pour les sujets. En réalité, le programme de préservation de l'humanité est plutôt un programme de non-préservation de l'humanité, en tout cas pour les habitants des abris concernés. L'accumulation de données issues de ces abris allait être récoltée par Vault-Tec au sein des abris de contrôle pour finalement arriver aux héritiers du gouvernement d'avant-guerre, c'est-à-dire l'enclave. L'enclave n'est ni plus ni moins qu'un condensé du restant du gouvernement d'avant-guerre, de privilégiés, militaires et d'élitistes, se considérant comme seuls ayant droit de survivre. La plupart des expériences d'abri poussaient les habitants à aller dans leurs retranchements mentaux et physiques pour survivre tout simplement face à ce qu'ils allaient devoir affronter. Et bien ce sont ces retranchements, ces réactions et actions qui allaient être retenues par l'enclave pour se préparer à recoloniser la surface. Enfin, l'enclave voulait à la base créer une colonie sur la Lune, mais par manque de données et de moyens, ils se sont rabattus sur la surface de leur vieille terre et sur les terres désolées, considérant toute autre forme de vie comme impure. Voilà pour la partie complot concernant l'enclave et le gouvernement d'avant-guerre, mais attention, Vault-Tec est aussi à considérer comme étant une petite société de fils de pute. Car tout comme l'enclave, il voulait profiter des expériences sociétales menées sur les habitants pour faire naître une nouvelle vision de la société qui serait appliquée dans le nouveau monde d'après-guerre. Mais aussi, pour certains abris spécifiques, produire de nouvelles technologies qui appuieront cette nouvelle vision de la société, comme dans l'abri 88, ayant pour but de produire différents prototypes d'outils qui seront envoyés et testés dans les autres abris, et si ceux-ci s'avèrent être fructueux et utiles, ils seront préservés. Donc pour Vault-Tec, le programme d'abri représente une industrie de production et de tests en temps réel grâce aux habitants pour un nouveau monde, alors que pour l'enclave, cela représentait une simple récolte de données dans le cadre d'une colonisation de la Lune et enfin de la recolonisation de la surface de la Terre.
Au final, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce sont de vrais salopards ayant pour seul but leur propre désir et objectif, et finalement au détriment de la vie de ces pauvres gens qui ont accepté ou non d'être dans ces abris. Certains ont été peuplés de 1000 habitants comme ils le devaient, d'autres étaient seuls, confrontés à eux-mêmes, d'autres étaient mélangés à des animaux, d'autres se sont vus complètement déchirés, il y a eu des schismes sociétales, des révoltes. En tout cas, mort et tragédie, ce sont les maîtres mots qui résultent de ces abris et de ce programme Safe House, finalement complètement à l'inverse de ce qu'on aurait cru. Voilà tout pour cette vidéo extrêmement positive et la réponse à cette question qui bien sûr nous passe par la tête est de moins en moins flagrante au fur et à mesure des différents jeux, puisque tout simplement moins focalisé sur ce qui fonde vraiment l'univers de Fallout. Que pensez-vous en tout cas de ce programme et de Voltec et de l'enclave? Quel est votre abri préféré? Balancez-moi vos idées pour de prochaines vidéos. Retrouvez toutes les séries et vidéos lore de Fallout dans la description. Je le fais à chaque fois maintenant, mais j'oublie de préciser. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Toutes les vidéos sont en description. Toujours en stream sur Twitch, bien sûr. D'ici la prochaine vidéo, rejoins les survivants et assure ton avenir en t'abonnant. Et à la prochaine. Ciao.